Dieu, c'est justement le contraire, c'est se détourner de la vie du monde et de ses urgences. En fait, non. Charles de Foucault nous enseigne le contraire. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Plus on se rapproche de Dieu, plus on goûte son amour, plus on est rempli par son amour et plus on se met au service des autres. Et c'est ce qu'a voulu réaliser dans sa vie Charles de Foucault quand il s'est mis au service des gens du désert, ces Touaregs qui l'ont adopté comme leur grand marabout, leur grand frère universel. Un grand merci, Père Xavier Lefebvre. Je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Saint-Augustin à Paris. Merci à vous. Radio Notre-Dame, Denise Dumoulin. Et oui, et nous avons la joie ce matin de nous retrouver pour cette canonisation de Charles de Foucault avec 9 autres canonisés. Mais tout d'abord, Louis Dauphresne, vous êtes place Saint-Pierre, sous le soleil. Le Saint-Père est déjà arrivé. Vous avez pu voir les saints syriens ce matin ? Oui, Denise, j'ai pu voir les saints syriens qui étaient encadrés par le général Hervé de Courrèges qui les accompagnait, qui était responsable de la délégation, qui est responsable de cette délégation, qui se trouve juste à droite de l'hôtel, représenté par une cinquantaine de membres, dont le chef de corps du 4e chasseur auquel a appartenu Charles de Foucault, comme on le sait bien, qui est aujourd'hui ce chef de corps, donc, est le 4e chasseur de Gap, et dépositaire, en fait, de la mémoire des chasseurs d'Afrique. Et c'est à ce titre-là qu'il se trouve présent à Rome pour représenter, donc, les académies militaires de Saint-Cyr et l'armée française en général, hein, qui est donc, est ainsi présente au Vatican ce matin, place Saint-Pierre. Ce n'est pas du tout une ambiance de type JMJ, voyez-vous, c'est-à-dire pas festive. C'est une ambiance recueillie. Ambiance canonisation. Il y a eu 25 mois. Exactement, ambiance canonisation avec, c'est vrai, une forme de retour à la normale quand même pour la vie catholique romaine après 25 mois. C'est ce que nous disaient beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer depuis hier soir. Ils me disaient heureusement que ça reprend parce qu'on a le sentiment que la vie revient avec cet événement. Après quand même une longue interruption. Et c'est aussi cela, vous savez que cette canonisation a été retardée pour des causes de Covid. Hein, bien sûr. Sinon, elle aurait eu lieu plus tôt. Mais ce n'est pas non plus, vous voyez, la même ambiance que celle qu'on a pu connaître avec la canonisation de Jean-Paul II en 2014, où il y avait vraiment énormément de monde. Là, c'est plus recueilli, plus discret, mais aussi on sent très profond. Vous voyez, j'ai pu croiser par exemple un membre de la famille de César de Bus, qui est l'un des trois Français qui est canonisé. Donc César de Bus, qui est cet aristocrate qui s'est converti en près de Cavaillon, hein, dans le Vaucluse. Fondateur des prêtres de la doctrine chrétienne. Voilà, et donc l'un de ses descendants, une femme d'un certain âge qui était dans un fauteuil roulant et qui tenait vraiment à venir ici avec tout son sourire, toute sa présence. Et c'était ça, en fait. C'est en fait une réunion de famille de décanonisés ce matin. Exactement. Et 3 Français quand même sur les 10 canonisés, avec Marie Rivier qui a fondé elle aussi une congrégation, celle de la Présentation de Marie. Et oui, exactement. Alors, moi, j'ignorais, honnêtement, hein, je ne sais pas si vous connaissiez, mais Denise, vous avez une culture religieuse bien plus étendue que la mienne, mais Marie Rivier, c'est impressionnant comme elle a pu être féconde en Ardèche, dans les écoles. Il y a encore 90 écoles, des EHPAD aussi. Il y a toute une structure, en fait, qui continue à exister sur la foi de l'engagement, de la fécondité qu'elle a pu insuffler à des générations, finalement. Et ça permet aussi de rendre hommage à toute l'activité qui est encore extrêmement présente de réseau, en fait, de Marie Rivier. Qui n'est peut-être pas très connue médiatiquement, mais dans le Sud, elle a encore une présence importante à travers ces institutions. Et est-ce que en dehors, justement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui sont venus, outre ceux qui sont venus pour Charles de Foucault?
Oui, on croise beaucoup de Français dans Rome, ça c'est indiscutable, et on voit, on s'aperçoit qu'ils viennent pour ces canonisations. Ce ne sont pas des touristes, si je puis dire, ce sont vraiment des pèlerins. Et ça, c'est aussi un signe, parce que finalement, ils ne sont pas majoritaires, ce sont plutôt les Italiens qui sont majoritaires. Il y a 4 canonisés italiens, 3 Français. Et les Français, on sent... Alors, la famille, les amitiés Charles de Foucault sont déjà quand même très nombreux. Hein, très nombreuses, hein, bien beaucoup sûr. De membres. La famille est très représentée, et par extension, par capillarité, ça fait beaucoup, beaucoup de monde, parce que ce qui est intéressant de voir, ce sont les croisements. On voit bien que des personnes qui viennent pour Charles de Foucault, tout le monde, je dis pas que tout le monde se connaît, c'est pas ça, mais qu'il y a, et on s'aperçoit d'un maillage social très important, véhiculé par l'image de Charles de Foucault, ça c'est indiscutable. Que ça draine beaucoup de monde. Et puis il y a un joli clin d'œil aussi, c'est que parmi les 10 canonisés, il y a Titus Brandsma, qui est un prêtre carme hollandais, mystique, journaliste, mais c'est surtout grâce à lui que, notamment pour Pâques et aujourd'hui tout spécialement, ce sont des roses blanches essentiellement, les fleurs sont envoyées depuis la Hollande, toutes les fleurs qui ornent le parvis et puis la cathédrale, la basilique Saint-Pierre de Rome. Oui, ce sont de belles images, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Une présence indienne discrète, que je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir côtoyer de près, mais que j'espère avoir l'occasion de voir tout à l'heure après la cérémonie, puisque, mine de rien, les conditions de sécurité et d'accès sont assez sévères, comme on le sait, hein, pour accéder au carré réservé. Mais on a pu les voir, en particulier, j'ai eu la chance d'aller tout près de l'hôtel tout à l'heure. Cette présence-là, on voyait que c'était les personnes qui étaient attachées à la figure du canonisé indien. Et oui, et surtout qu'il a lui aussi une grande actualité, Lazare Pillai. Il est mort martyr en prison, il a été jeté en prison pour sa foi. Et aujourd'hui, on pense à tout ce qui se passe justement en Asie, et puis pas seulement en Asie malheureusement. Et en Inde en particulier, où exactement. La situation des chrétiens est difficile, hein, le nationalisme hindou ne laisse pas beaucoup de marge à l'expression de ce qui peut être un peu divergent de la pensée officielle ou de l'hindouisme officiel. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour ces communautés chrétiennes. Et ce qu'on peut dire, et vous faites bien d'en parler ce matin, c'est que la statue de Charles de Foucault est telle sur son piédestal qu'elle occupe beaucoup d'espace. C'est tout à fait normal, parce que sa personnalité invite évidemment, son parcours, tout incite à en parler, mais qu'il ne faut pas oublier les autres qui ont toutes leurs raisons d'être et des parcours aussi extrêmement intéressants. Un très très grand merci Louis, alors profitez vraiment de cette célébration et puis vous raconterez tout cela lundi matin pour nos auditeurs. Merci Denise, alors je serai présent aussi tout à l'heure à 17h et puis on aura l'occasion d'avoir tout au long de la journée aussi d'autres interviews que vous pourrez écouter sur l'antenne, en particulier à 20h30 et puis sinon évidemment demain matin pour l'édition spéciale à partir de 7h. Absolument, beau dimanche et belle canonisation. 15 aprile 1607, San Paolo VI lo dichiarò beato nel 1975. Et nous nous retrouvons donc en direct. Cette célébration des canonisations a commencé. Le Saint-Père est assis. Il est arrivé debout en souffrant manifestement, mais il est là, bien présent et très recueilli. Con la venerabile serva di Dio Maria Teresa Gabrielli fondò la congregazione delle suore delle poverelle per l'accoglienza e l'istruzione delle bambine senza famiglia delle ragazze più povere. Si dedicò anche all'assistenza degli orfani e all'aiuto delle famiglie in difficoltà. Si spense all'età di 58 anni nel 1886. Nel 1963 San Giovanni XXIII lo proclamò beato.
On est en train de faire la liste justement des béatifiés qui vont être canonisés. Alors je vous rappelle que, outre Charles de Foucault, il y a la bienheureuse Marie Rivier qui a fondé, elle a vécu dans l'Ardèche, elle a eu une jeunesse très difficile et qui a fondé en 1796 la Congrégation de la Présentation de Marie. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 23 mai 82. Côté français, il y a aussi le bienheureux César de Busse qui a fondé la Société des prêtres de la doctrine chrétienne. Il est né à Cavaillon et lui aussi, après une vie un peu mouvementée, a connu une conversion radicale en 1573. Il a tout abandonné pour servir les plus démunis. Il a été déclaré vénérable le 8 décembre 1821 par le pape Pie VII. Et il a été béatifié le 25 avril 1975 par le pape Paul VI. Les autres, donc, c'est Titus Brandsma, ce prêtre carme hollandais, mystique, journaliste qui s'est battu, qui a lutté contre le nazisme. Il a été considéré comme résistant, arrêté, déporté à Dachau, où il est décédé. En Inde, c'est Lazare Devasayam Pillai, qui est né dans une famille de haute caste hindoue en 1712. Il s'est converti au catholicisme, a consacré sa vie à l'annonce de l'évangile et il a été donc jeté en prison et torturé. Il est mort martyr, non seulement sans avoir renié sa foi, mais jusqu'au bout en l'affirmant. Luigi Maria Palazzolo, lui, est un prêtre italien du 19e siècle, fondateur des Sœurs des Pauvres de Pergame. Il a voué sa vie aux plus pauvres et aux plus démunis. Giustino Russolillo, lui, est aussi un prêtre italien qui est décédé en 1955, qui a fondé la Société des Divines Vocations et la Congrégation des Sœurs des Divines Vocations. Quant à Maria Francesca Rubato, c'est une religieuse qui a fondé les Sœurs tertiaires capucines de Loano, où elle a consacré sa vie au service des pauvres jusqu'en Amérique latine. Maria Domenica Mantovani est cofondatrice et première supérieure générale de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Et Maria di Gesù Santo Canale est fondatrice des Sœurs capucines de l'Immaculée de Lourdes. Et bien sûr, Charles de Foucault, nous écoutions tout à l'heure le curé, le père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin. Lui s'est converti lors d'une confession et justement, on dira jamais assez l'importance de la confession et les grâces qui peuvent en découler à Saint-Augustin. La fierté pour Paris de ce personnage haut en couleur qui a eu d'abord une vie très très mouvementée, très animée et qui a fait cette conversion radicale avant de mourir en martyr. Il est évidemment parfaitement suivi encore dans cette à la trappe puisque c'est là qu'il est entré avant d'être assassiné. Il a été déclaré bienheureux le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. Il était né à Strasbourg le 15 septembre 1858 et orphelin très tôt, il a été confié à ses grands-parents. Ensuite, après cette période mouvementée, Saint-Cyr, une très très jolie anecdote que m'avait confiée le père Pierre Leroy, l'ami de Teilhard de Chardin, celui qui a passé le plus de temps avec lui. Il a fait ses études à Sainte-Geneviève de Versailles, Ginette, et un jour, il s'était échappé dans une corbeille de linge sale pour aller retrouver une de ses amies. Et il paraît d'ailleurs que quelqu'un, imprudemment, et sans doute pour préserver sa mémoire, avait arraché la page, mais l'histoire est authentique. Et Charles de Foucault, c'est aussi pour nous l'occasion de penser et de prier à tous ceux qui sont justement dans ces terres de mission. Je vous recommande le petit livre du père Michel Lafon, qui est un peu un successeur, puisqu'il a succédé à l'abbé Albert Périguer au Maroc, où il a vécu pendant 41 ans. Et le père Périguer était l'un des premiers disciples de Charles de Foucault.
En ce moment, on est en train justement de continuer à annoncer à Rome la liste des canonisés. Et comme nous le disions tout à l'heure avec Louis Dauphren, c'est sous un radieux soleil que nous vivons cette célébration. Fratres carissimi, Dio Patri onnipotenti, preces nostras per Jesum Christum levemus. Ut Beate Maria Virgines et Omnium Sanctorum Suorum intercessione, sua gratia sustiniat id quod solenniter alturi sumus. Thank you.
litanie des saints vient de s'achever. Preces populi tui qui sumus Domine veninus admite. Ut quod famulatum nostro gerimus et tibi placiat, et ecclesiae tuae proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum. Je vous rappelle que nous suivons en direct de Rome cette célébration, cérémonie des 10 canonisations par le pape François dans celle de Charles de Foucault. Ad honorem sancte et individuae trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes epios implorata, ac de plumorum fratrum nostrorum consilio, beatos Titum Brasma, Lazarum dictum de Vasasiam, Cesarem de Bus, le pape François est Maria en train Palazzuolo, d'annoncer les nouveaux canonisés. Justinum Maria Russolil, Carolum de Foucault, Mariam Rivier, Mariam Francisca Naiesu Rubato, Mariam Aiesu Santo Canale, et Mariam Dominica Mantovani, Santos esse de Cernimus et Definimus, a Santorum Catalogo ascribimus, statuentis eus in universa ecclesiae, inter santos pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je vous rappelle que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien sur Internet que sur Facebook et YouTube, cette célébration. Et nous entrons maintenant dans la célébration proprement dite. Viennent d'arriver en procession 10 personnes, des religieux, laïcs, qui apportent chacun
de l'encens qui est déposé au milieu des fleurs et des reliquaires qui comportent les reliques de chacun de ces 10 béatifiés qui vont être canonisés et qui sont canonisés aujourd'hui à Rome. Beatissime Pater, nomine Sancte Ecclesiae, enicas gratias ago, de pronunciazione sanctitate vestra facta, ac humiliter peto uteadem sanctas vestra super per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Les lettres apostoliques pour la canonisation. Et c'est le chant du Gloria. Oremos. Omnipotens et eterne Deus, semper in nobis Paschale et perfice sacramentum, ut cos sacro baptisma te dignatus es renovare, sub tue protectionis auxilio multus fructus afferant, et ad eterne vite gaudia pervenire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivi et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
A reading from the Acts of the Apostles. Paul and Barnabas went back through Lystra. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples, ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Je vous rappelle que ces textes sont ceux du cinquième dimanche de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Et le psaume de cette messe est le psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. La deuxième lecture est extraite du chapitre 21 de l'Apocalypse de saint Jean. Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait,
Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dominus vobiscum. Et tus spiritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi nomine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. »
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si dilectionem abueritis ad invicem, verbum domini. Maintenant, le pape François va prononcer l'homélie de cette messe de canonisation de Charles de Foucault. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Δώσα συγκύριε, δώσα συγκύριε. Πρόσχομεν ότι ουν εξήλθεν λέγει Ιησού, νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάσει εν αυτό. Ή ο Θεός εδοξάσει εν αυτό και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν αυτό και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία έτι μικρόν με θυμόν ημί, εντολήν καινήν διδομήμην, ειν αγαπάτε αλληλούς, καθώς ηγάπησα ημάς, ίνα και εμείς αγαπάτε αλληλούς. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι μη μαθητέστε. Εάν αγάπην έχετε, εν αλλήλεις.
Le pape François vient de bénir la foule et d'embrasser l'évangéliaire. Je vous rappelle que nous suivons cette célébration des canonisations en direct de Rome. Et c'est maintenant que le Saint-Père va prononcer l'homélie. Abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù consegna ai suoi prima di passare da questo mondo al Padre. Nous avons entendu les paroles que Jésus a prononcées avant de passer de ce monde à son Père. Comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est le testament que le Christ nous a laissé. Se siamo davvero suoi discepoli oppure no. Il comandamento dell'amore. Le commandement de l'amour qu'il a laissé à ses disciples. Deux éléments essentiels dans ce commandement. Comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, aimons Jésus jusqu'au don total. En cette nuit ténébreuse, le climat qui régnait au Cénacle. Où Jésus a dit adieu à ses disciples. Nous pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait dans son esprit. E quale amarezza vedendo Giuda che dopo aver ricevuto il boccone intinto dal maestro per lui e Giuda che venait de lui donner le baiser nella notte del tradimento dans la nuit de la trahison. E proprio nell'ora del tradimento Gesù conferma l'amore per i suoi. Et dans cette nuit de la trahison Jésus confirme l'amour. Dio ci ama. Fratelli, sorelle, che questo annuncio sia centrale nella professione e nell'espressione della nostra fede. Frères et sœurs, c'est un élément central de notre foi. Non dimentichiamolo mai. Al centro non ci sono la nostra bravura, i nostri meriti. Al centro c'è l'amore incondizionato. Au centre, ce n'est pas notre courage, c'est l'amour. All'inizio del nostro essere cristiani non ci sono le dottrine e le opere. Au début de notre vie chrétienne sont les dottrines et les œuvres. Mentre il mondo vuole spesso convincerci che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo ci ricorda la verità della vita. L'Évangile nous rappelle la vérité de la vie. Questo è il nostro valore. Siamo amati. Soyons aimants. Prima ancora che qualsiasi essere umano ci vedesse, siamo stati visti dagli amorevoli occhi di Dio. Prima ancora. Soyons porteurs de cet amour de Dieu. Ci sentisse piangere o ridere, siamo stati ascoltati dal nostro Dio che tutto orecchio. Soyons à l'écoute de notre Dieu. Prima ancora che qualcuno in questo mondo ci parlasse. La voce dell'amore eterno già ci parlava. Que chacun en ce monde reçoive cette voix de l'amour. Lui continua a amarci. E questa è la nostra identità, amati da Dio. Questa è la nostra forza. Notre identité, c'est d'être aimé de Dieu. Questa verità ci chiede una conversione sull'idea che spesso abbiamo di santità. Cette vérité de la conversion vers la sainteté. Di compiere opere buone abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato su di noi, sull'eroismo personale, sulla capacità di rinuncia. La sainteté, ce n'est pas l'eroïsme personnel. È una visione dalle volte troppo pelagiana della vita, della santità. Così abbiamo fatto della santità una meta impervia. L'abbiamo separata dalla vita di tutti i giorni. Nous avons séparé cette vie de sainteté de la vie
de la vie concrète. Regardez Thérèse d'Avila parlant à ses sœurs sur la voie de sainteté. C'est la puissance de l'amour de Dieu. C'est le primat de l'amour sur la chair. Le primat de Dieu, c'est Dieu. Le primat de la grâce, ce sont les œuvres. Et demandons au Seigneur la grâce, la force de transformer notre vie. C'est pour cela que Jésus nous dit, et c'est le deuxième aspect, comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Nous devons imiter l'amour de Jésus. Parce qu'il nous donne son esprit, de sainteté. Pour cela, nous pouvons accomplir des gestes d'amour. Parce que si nous sommes aimés, nous avons la force d'aimer. L'amour que je fais, unito à quello di Gesù per me, così, così come lui mi ha amato, io posso amare. L'amour que Jésus nous porte, c'est avec cet amour et comme cela que nous devons aimer. C'est une chose très simple. Qu'est-ce que ça signifie de vivre de cet amour? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et avant de vivre ce moment de la croix, servir et donner la vie. Servir sans s'occuper de ses propres intérêts. Sortir de la compétition. Vivre les charismes que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce que je fais, moi, pour les autres? Et vivre les choses d'ogni giorno in spirito di servizio. Et vivre ces consignes de service. Sans l'amour, ce n'est rien. Donner la vie, ce n'est pas simplement il me plaît de demander. Sì, padre, io do l'elemosina ai poveri. E quando tu dai l'elemosina, tu tocchi la mano della persona. Touche la main de la persona. L'elemosina e fai così per pulirti. E diventano rossi. No, io non tocco. Quando tu dai l'elemosina, tu guardi agli occhi della persona che tu aiuti o guardi per un'altra parte? Prends la main de la persona che tu accompagni, che tu aide. Toccare e guardare la carne di Cristo che soffre nei nostri toucher fratelli e nostre sorelle. La chair du Christ. E questo dare la vita è questo. Et c'est ça, donner la vie. Non è fatta di pochi gesti eroici, ma la sainteté n'est pas faite de petits gestes héroïques. Sei una consacrata o un consacrato? Ci sono tanti oggi qui. Sei una consacrata o un consacrato? Si tu es un ou une consacrée, santo e santa, vivendo con gioia la tua donazione. Si tu vis sposato, dans la joie cette relation, si santo e santa, amando e prendendoti cura di tuo marito e di tua moglie, come Cristo. Si tu es marié et si tu prends soin de ton mari ou de ton épouse, si santo, compiendo con està e competenza il tuo lavoro al servizio. Si tu accomplis ton travail avec sainteté, perché non rimangano senza lavoro, perché abbiano sempre lo stipendio giusto.
Si tu es parent ou religieux, religieuse, dis-moi, si tu as autorité, si tu travailles au service du bien commun, vivre la sainteté, c'est très simple. Servir l'Évangile et les frères, sans compter, sans rechercher quelque gloire. Aujourd'hui, ces compagnons de voyage qui sont canonisés, ils ont ouvert avec joie leur vocation. Ils ont donné jusqu'au bout cette joie. Qu'est-ce qu'un saint ou une sainte ? C'est un reflet lumineux du Seigneur. Et la sainteté est universelle, c'est un appel pour chacun. Chacun de nous est appelé à la sainteté. La sainteté sempre originale, comme diceva il Beato Carlo Acutis. La sainteté est simple et particulière, comme le dit le bienheureux Carlo Acutis. Elle est unique et en même temps elle se répète. Ha un sogno per la tua vita, per la mia vita, per la vita di ognuno di noi. Cosa vuoi che vi dica? Portatelo avanti con gioia. Grazie. Portez avec joie et vivez avec joie. C'était l'homélie du pape François en cette célébration des 10 canonisations sur la place Saint-Pierre. Comme nous le disions au début, la place est décorée de fleurs et de roses blanches qui viennent notamment de Hollande, puisque Titus Brandsma, ce prêtre carmo-hollandais, mystique et journaliste, et c'est grâce à sa béatification au départ que les Hollandais ont commencé à envoyer ces fleurs, aussi bien pour Pâques que pour ces grandes célébrations. Je vous rappelle que nous sommes au cinquième dimanche de Pâques et ce sont les textes de cette messe que nous avons entendus. Sur la place Saint-Pierre, il y a devant la basilique affiché les 10 portraits. Le pape se recueille maintenant quelques instants. C'est une foule qui est nombreuse, qui est très sereine et il y a une grande joie à suivre cette célébration. Je vous rappelle qu'avec Charles de Foucault, il y a Marie Rivier qui a été béatifiée par Jean-Paul II en mai 82 et qui a fondé la congrégation de la Présentation de Marie. Il y a aussi le bienheureux César de Bus, qui lui est le fondateur de la Société des prêtres de la doctrine chrétienne. Il est originaire du sud d'Avignon et il a une vie aussi, une conversion radicale comme Charles de Foucault. Charles de Foucault, c'est grâce à ce miracle d'un Charles sans S qui a eu cet accident extrêmement grave où il aurait dû mourir et qui l'a donc reconnu en cet anniversaire. Nous chantons maintenant le Credo. Thank you.
Carissimi, la santità è per tutti. Frères très chers, la sainteté est pour tous parce que le Seigneur nous appelle à être saints comme lui est saint. Décidés à cheminer le long de ce sentier, invoquons le don de l'Esprit pour que, conduits et guidés par les amis de Dieu, nous recevons les aides nécessaires le long du chemin. Prions pour notre pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les membres de l'Évangile. Que le pasteur des brebis confirme les ministres de l'Évangile dans leur mission, qu'il les rende crédibles dans l'amour les uns pour les autres et ferme dans la foi, joyeux de dispenser ce que Dieu accomplit à travers eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les gouvernants et les peuples qui leur sont confiés. L'intention est récitée en tamoul. Que le Seigneur de l'histoire inspire à nos gouvernants des sentiments de fraternité et de respect en recherchant la sainteté dans la promotion de la justice et de la paix entre les peuples, en ayant comme unique arme l'Évangile et l'amour des frères. அவர்கள் உடன்பிறப்பு உணர்வையும் நன் மதிப்பையும் தூண்டியருளும். Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les persécuteurs, les violents et ceux qui sèment la haine. Que le Dieu de l'amour fasse renaître des chemins de conversion et de réconciliation, élimine la violence de nos paroles et de nos actes et fait germer le commandement de l'amour avec des gestes concrets et authentiques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les religieux, les religieuses et tous ceux qui firent une inspiration du témoignage des nouveaux saints. Que le Tout-Puissant peut éveiller les mêmes vertus et mêmes foi que celles des saints, approfondir l'attachement au Christ, au don de sa propre vie, et qu'il puisse donner le parfum de la tendresse du Seigneur à répartir entre les pauvres, les prisonniers et les personnes marginalisées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Oremus pro sanctis proxime Janue. Il datore di ogni santità, illumini i genitori. Père très saint, toi qui as donné dans le Seigneur Jésus l'image de la sainteté parfaite, suscite dans ton Église des hommes et des femmes qui, transfigurés par ton amour, vivent l'Évangile en témoignant d'une charité mutuelle et sans réserve par le Christ notre Seigneur. Padre Santo, che nel Signore Gesù ci hai dato l'immagine della perfetta santità, suscita nella tua Chiesa uomini e donne che, trasfigurati dal tuo amore, vivano il Vangelo testimoniando nella carità vicendevole e senza riserve. Per Cristo nostro Signore.
pour la procession des offrandes, ce sont les différents représentants des familles des 10 canonisés en cette messe sur la place Saint-Pierre, présidée par le pape François. C'est le rite de l'encensement de l'autel par le pape François et maintenant des fidèles. L'autel, comme l'allée centrale, qui sont couverts de fleurs et de roses blanches, la plupart venant justement de Hollande, grâce à la canonisation du père Carme Titus Brandsma. Unius sum eque divinitatis participis officisti, presa questumus, o sicuntuam cognovimus veritatem, sic eam dignis moribus assequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Gratias agamus Domine Deo nostrum. Que le Seigneur soit avec vous, élevons nos cœurs. Nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur. Vere Santus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, qui a per filium tuum, Domine nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas, sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis orto, usque ad ocasum, oblatio munda offeratur nomine tue. Supplices ergo, te Domine deprecamur, ut ac munera, quae tibi sacranda detulimus, et odem spiritus sanctificare degneris, ut corpus et sanguis, fiant fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, recit, dedicque discipuli suis, dicens, accipite e manducate hoc omnes. Hoc est eni corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixi, dedicque discipuli suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione. Mysterium fidei. Mystère de la foi, le Saint-Père vient de prononcer les paroles de la consécration.
Memore sigitur Domine, ius in filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gracias referente, hoc sacrificium vivum et santum. Restuce quensum in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostia, cuius voluisti molazione e placare, concede ucchi corpore et sanguine fili tui reficimi, spiritu eius santo repleti, unum corpus e unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat vus laternum, o cum electis tuis hereditatem et consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef et Seu Sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et Glorios Martiribus, cum Sanctis Tito, Lazaro, Cesare... Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Et hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad tosius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordini et universo clero et omni populo acquisitiones tue, voti suius familiae, quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filius tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benignus admite. Ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lagiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutabis moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Notre Père qui es aux cieux. Sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tue aiuti. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et
Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fide in ecclesiae tue, e anque, secondo voluntatem tua, pacificare qua donare dignieris, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et spiritus tuo. Et que cette paix annoncée par le pape François en cette messe de canonisation de Charles de Foucauld et des 9 nouveaux saints sur la place Saint-Pierre vous rejoigne chacune et chacun d'entre vous. Sei, ecce qui tolis peccata mundi, beati che accenna nai invocati sunt. Oh.
s'achève sur la place Saint-Pierre. De nombreux prêtres accompagnés de ceux qui portent le parapluie jaune et blanc pour se signaler. Et des grandes banderoles sont déployées par ceux qui viennent de différents mouvements et de différentes familles accompagner les 10 nouveaux canonisés. Beaucoup de joie, mais cette joie qui n'est pas évidemment la joie exubérante. On sent beaucoup de prières, de retenue. Et cette foule multicolore, de nombreux prêtres, de nombreux évêques qui sont venus pour qu'on célèbre. C'est la joie, les mouchoirs jaunes qui s'agitent. Et les applaudissements pour cette canonisation de Charles de Foucault, de nos deux Français, Marie Rivier et le père César de Bus, et puis ce Titus Brandsma, qui lui est néerlandais, de Lazar Devayasan Pillai, qui est indien, qui lui est mort en prison, et nous pensons tout spécialement... Oremus. Popolo tuo quesumus domine et esto propitius, et que mysteriis celestibus imbuisti, fac a novitate in vite de vetustate transire, per Christum Dominum nostrum. La prière de conclusion du pape François. Et les applaudissements qui crépitent. Cari fratelli e sorelle, avant de conclure cette célébration eucharistique, fratelli cardinali, un salut à vous vescovi, tous, sacerdoti, les religiosi, frères cardinaux, évêques, specialmente coloro che appartengono alle famiglie spirituali dei nuovi spécialement tous ceux qui appartiennent aux familles des canonisés, à tous les fidèles, convenuti da tante parti del mondo. À tous ceux qui nous suivent de toutes les parties du monde, à toutes les délégations, spécialement le président de la République italienne. Je dois remarquer que, avec les témoignages de ces saints, tristement, tandis que, tristement, le monde connaît des grandes tensions, les nouveaux saints doivent inspirer une solution, seuls ceux qui sont les protagonistes de la paix. Je vous salue tous, vous, pèlerins, et tous ceux qui ont suivi cette célébration par les différents moyens de communication. Et je vous invite avec joie à célébrer ces nouveaux saints. Regina Celi, reine du ciel, réjouis-toi, car celui que tu as mérité de porter, alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Alléluia. Le Regina Celi qui est le chant marial du temps de Pâques. Le pape François est quelques instants en silence et en prière devant cette statue de la Vierge qui porte l'enfant Jésus et qui est donc sur le parvis sous le dais de la basilique Saint-Pierre qui est entourée et comblée de fleurs, de roses et de fleurs blanches.
Deus qui per resurrezione Fili tui Domini nostri Jesu Christi mundum letificare degnatus est. Presta questumus et per eius genitricem Virgen Maria perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Et que les défunts reposent en paix. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sanctum Deus usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Et le pape François vient de donner sa bénédiction. Ainsi s'achève cette lumineuse célébration de la canonisation de 10 nouveaux saints sur la place Saint-Pierre et à commencer par Charles de Foucault. Aujourd'hui, dit-il, je crus qu'il y avait un Dieu. Je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Mon Dieu, que tu es bon, de m'avoir montré ta beauté dans les créatures. Fais-moi cette grâce de ne voir que toi dans les créatures. Fais-moi toujours percer les voiles. Prier, dit encore Charles de Foucault, c'est louer Dieu, c'est parler à Dieu. Prier,
c'est dire à Dieu qu'on l'aime. Prier, c'est contempler Dieu. Prier, c'est avoir l'esprit et le cœur attachés à Dieu. Prier, c'est demander pardon à Dieu. Prier, c'est appeler Dieu à notre secours. Prier, c'est demander à Dieu, pour nous et pour tous les hommes, la sainteté et le salut. Or, l'amour a pour effet nécessaire de dire qu'on aime et de le répéter sous toutes les formes, de louer ce qu'on aime sans fin et sans mesure. Donc la prière est inséparable de l'amour, au point que nos prières seront en quelque sorte la mesure de notre amour. Nous sommes sensibles, passibles, ne nous raidissons pas contre les douleurs. Dans nos prières, ne cachons pas à Dieu nos souffrances. Ne craignons pas de nous en plaindre, au contraire, exposons-les-lui simplement à cœur ouvert, comme un fils à son père, comme un cœur aimant qui a un invincible besoin de confier tout ce qu'il sent à l'être passionnément aimé, et appelons-le à notre secours. On aime tant appeler à son secours ce qu'on aime, on aime tant à recevoir de lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Caritas omnia sperat, la charité espère tout. Dieu aime et il peut tout. Il respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme, mais il ne s'interdit pas les dons gratuits de sa grâce. Et celle-ci peut être telle qu'elle renverse tous les obstacles et fasse succéder à la tempête un grand calme. Sachons obtenir des grâces assez puissantes de celui qui a dit « Demandez et vous recevrez ». Quand vous êtes deux ou trois à prier ensemble, je suis au milieu de vous. Et nous continuons dans la joie cette journée. Je vous rappelle qu'à 17h, vous aurez à nouveau rendez-vous avec Louis Dauphresne, que nous avons entendu tout à l'heure, en direct de la place Saint-Pierre. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de choses organisées à Paris, que vous pouvez tout simplement aller à Saint-Augustin, puisque c'est là que Charles de Foucault s'est converti lors de cette confession à l'abbé Huvelin. Merci à Morgane qui a réalisé cette émission avec l'appui de Jean-Paul, fidèlement. Et puis, nous pouvons aussi penser à tous ceux qui, à travers justement ces événements, pourront peut-être trouver un signe du Seigneur. Et je vous propose de terminer avec cette si belle prière de Charles de Foucault. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. » Et ces applaudissements, c'est le pape François qui est en train de se déplacer. Et on sent qu'il souffle, mais il est debout, sans canne. Et il salue ses frères cardinaux et évêques. Nous pouvons aussi penser au Charles, celui qui a été le miraculé de Charles de Foucault. Il avait 21 ans, il y a 6 ans, lors de cet accident où il aurait dû mourir. Il n'est pas baptisé. Il a un sourire qui rappelle effectivement un peu celui du frère Charles. Et nous pouvons penser à lui et lui rendre grâce, puisque c'est grâce à lui qu'il y a cette canonisation aujourd'hui. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une belle journée avec le soleil au cœur. Et puis un bon dimanche. Et tout de suite, nous avons la joie de retrouver nos frères de Fréquence Protestante. Une
petite anticipation. Nous allons les retrouver dans quelques instants. Et tout de suite, le pape François continue donc chaleureusement à saluer. Il y a un évêque copte aussi qui est parmi eux, des prêtres et des évêques et cardinaux qui viennent de différents pays, qui nous ont accompagnés pour cette célébration des canonisations. Je vous rappelle que, évidemment, c'est Charles de Foucault pour qui nous avons quand même une tendresse toute particulière. Et puis, peut-être aussi parce qu'il représente tellement, justement, toutes ces jeunes aujourd'hui qui ont une vie agitée, mouvementée parfois. Et peut-être parce que justement il a vécu d'une façon excessive cette jeunesse, c'est peut-être aussi pour cela qu'il a été capable d'aller jusqu'au bout et de donner jusqu'au bout sa vie comme tant d'autres aujourd'hui sont encore capables de la donner. Nous pouvons aussi en profiter pour prier pour les vocations et à Paris, tout spécialement, prier aussi pour le futur archevêque de Paris qui sera installé le 23 mai prochain. Je vous rappelle que parmi ces canonisés aujourd'hui, il y avait bien sûr Charles de Foucault, mais aussi Marie Rivier, qui beaucoup ne la connaissent pas, qui est cette femme qui a tellement souffert dès son enfance. Elle est originaire de l'Ardèche. Elle a donné sa vie au Seigneur et elle a ouvert ensuite une école pour l'éducation religieuse des plus jeunes. Et c'est au moment de la Révolution française où les couvents étaient dissous et fracassés qu'elle a fondé la congrégation de la Présentation de Marie. Le bienheureux César de Bus, qui est né en 1544, qui est décédé en 1607, lui a fondé la Société des prêtres de la doctrine chrétienne. Il est originaire de Cavaillon, où il est né, au sud d'Avignon. Lui aussi, comme Charles de Foucault, a mené une jeunesse assez insouciante avant une conversion radicale en 1573. Et là, il a tout abandonné pour se mettre au service des plus pauvres, dans la solitude, la pénitence. Il a été ordonné prêtre en 1582 et il a commencé une mission de catéchiste auprès des plus pauvres. Et c'est là qu'il a fondé cette congrégation. La Société des prêtres de la doctrine chrétienne a favorisé la multiplication des missions populaires dans les campagnes. Et c'est le pape Pie VII qui l'avait déjà déclaré vénérable. Et c'est en 1911 qu'il y a eu lieu un miracle d'un jeune Italien, d'un paysan italien qui souffrait d'une tumeur considérée comme incurable et qui a été soigné par son intercession. C'est le pape Paul VI qui l'a béatifié en 1975. En ce moment, le pape François est en train de continuer. Il boite, mais il marche sans canne et il salue tous ses frères évêques. Petite parenthèse, hier, le pape François a reçu la maison de François avec Monseigneur Michel Aupetit, avec le cardinal Barbarin également. Cette maison qui fait vivre ensemble des personnes de conditions, de situations tout à fait différentes, qui sont beaucoup de blessés par la vie. Et le pape François tient beaucoup à ce mode de création et à ces œuvres justement qui font vivre ensemble des personnes qui ont une vie plus normale et ceux qui ont une vie extrêmement cabossée et difficile. Et puis je vous le disais, comme pour Pâques, il y avait cette abondante floraison de roses et de fleurs blanches qui viennent des Hollandes, et cela c'est grâce
à ce prêtre carme hollandais Titus Brandsma. Lui, il est décédé en 1942. Il était mystique, il était journaliste, merci pour nous. Il a lutté contre le nazisme et il a été aussi un défenseur des juifs persécutés. Et du coup, il a été déporté dans le terrible camp de Dachau, où il est décédé. Le pape est en train de bénir un évêque qui est en fauteuil roulant. Et toujours avec ce sourire, cette bienveillance. Parmi les nouveaux canonisés aussi, il y a Lazare Devachayam Pillai. Lui, il est du XVIIIe siècle, il était né dans une famille d'une haute caste de l'Inde. Il s'était converti au catholicisme et il consacre sa vie à annoncer l'évangile. Il est mort lui aussi en martyr sans avoir jamais renié sa foi. Et nous pensons à tous ceux qui, en Inde ou ailleurs, vivent justement de terribles épreuves. On pense à l'Afghanistan et à tant de pays d'Asie, d'Afrique qui sont éprouvés. Il y avait aussi le Luigi Maria Palazzolo. Lui, c'est un prêtre italien qui a fondé au XIXe siècle les Sœurs de Pergame, toujours aussi au service des plus pauvres et des plus démunis. Encore un Italien, Giustino Russoliglio. Lui, il est né à la fin du XIXe, il est décédé en 1955 et il a fondé la Société des Divines Vocations et la Congrégation des Sœurs des Divines Vocations. C'est justement aussi l'occasion pour nous de prier toujours pour les vocations. La Papa Mobile est en train de s'avancer, ça y est, le pape François est monté dedans et il va traverser la foule. Les autres canonisés sont Maria Francesca Rubato, qui a fondé les Sœurs Tertiaires Capucines de Loano, qui a, elle aussi, consacré toute sa vie au service des pauvres jusqu'en Amérique latine, d'où les intentions tout à l'heure en espagnol. Maria Domenica Mantovani a été la cofondatrice et la première supérieure générale de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Et quant à Maria di Gesù Santocanale, qui est décédée en 1923, ce sont les sœurs capucines de l'Immaculée de Lourdes. Le pape François continue à saluer, à bénir la foule qui est, comme vous pouvez l'entendre, très enthousiaste en cette belle matinée de cinquième dimanche de Pâques et de grand soleil d'Italie. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques extraits de Prier 15 jours qui a été réalisé par le père Michel Lafont. C'est lui qui a succédé à l'abbé Périguer. Albert Périguer était l'un des premiers disciples de Charles de Foucault. Le père Michel Lafont a vécu longuement au Maroc pendant 41 ans à El Kbab et il a beaucoup travaillé au dialogue entre chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, il est retiré chez les Petites Sœurs des Pauvres à Bordeaux, sa ville natale. Et puis je vous rappelle que beaucoup de manifestations sont organisées pour pouvoir continuer à vivre et à méditer cette vie extraordinaire de Charles de Foucault. C'est extraordinaire, en ce moment on est en train de donner au Saint-Père un petit bout une petite fille africaine qui vient d'embrasser. On est en train de lui donner un certain nombre de petits bouts de choux alors qu'il traverse justement les allées de la place Saint-Pierre en papa mobile et avec ce sourire lumineux qui est le sien. On lui présente de très très nombreux enfants. Je crois qu'il va y avoir un concours à ceux qui auront réalisé de faire embrasser et bénir leurs petits par le pape François sur cette place Saint-Pierre.
Et nous allons bientôt retrouver nos amis et frères de Fréquence Protestante. Je vous rappelle que, merci à Morgane qui a réalisé, tout à l'heure j'étais un peu pressée de vous rendre l'antenne, qui a réalisé cette émission. Que ce soir à 5h, vous pourrez retrouver Louis Dauphresne et puis une émission spéciale, demain matin aussi bien sûr. Et puis vous allez pouvoir vivre justement dans la joie cette belle journée de mai. Il est midi, tout de suite Fréquence Protestante. Continuez à nous écouter sur la FM à Laon et Noyon ou bien sur radionotredame.com et retrouvez-nous à 14h30 sur le 100.7.